Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ce sapin au crochet. Donc, vous pourrez le poser en tant que décoration sur la table ou en dessous de votre sapin. Je vais vous le mesurer. Donc, il mesure 20 cm. Alors là, je vous ai fait un modèle adaptable. Vous pouvez le faire à peu près de toutes les tailles, hein, de là ou à là ou là ou plus grand, c'est vous qui choisissez. J'ai fait en sorte que avec un modèle, vous puissiez en faire plusieurs. Alors, pour le faire, je vais utiliser de la laine. Voilà, donc j'ai utilisé de la laine blanche. Malheureusement, je n'avais pas assez de verre pour pouvoir vous le faire en verre. Le sapin est assez gourmand en fil, hein, parce qu'on va faire une base et au-dessus, on va le recouvrir. Et bien évidemment, on va faire un petit socle. Donc, prévoyez quand même pas mal de fils de la même couleur. Je vais, et donc là, je vous mets l'étiquette de ma laine, hein. Voilà. Donc, regardez pas le crochet parce que moi, j'utilise pas la taille de crochet qu'il y a sur la laine. Donc, maintenant, je vais également utiliser une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux, du rembourrage. Donc, pour le rembourrage, moi, j'utilise, vous voyez, c'est en fait, c'est ce qu'on trouve dans les coussins. Mais vous utilisez ce que vous voulez, des paires de chaussettes, des fûts de laine, c'est à vous de voir. Et pour faire mon fond, je vais également utiliser du carton d'emballage dans lequel je vais découper deux disques de 8,5 cm. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 50. Donc, eh bien, on est parti. On va commencer par la base de notre sapin. Pour commencer, on va venir faire un nœud magique. On va le coincer avec deux mailles en l'air. Et maintenant, dans mon nœud magique, je vais venir faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud magique, on le resserre bien. Et là, on va venir faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une bride suivie d'une augmentation, soit deux brides dans la même maille, et le une bride suivie d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 2 fois restantes et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va venir faire 2 brides, une dans la maille d'à côté, je fais la deuxième, suivie d'une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. La première, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième, et le 2 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre quatrième rang,
On continue en bride et cette fois on va venir travailler uniquement le brin arrière de nos mailles. Donc on va faire 3 brides. Une, je prends le brin arrière, je fais la deuxième. 2, là je retourne dans le brin arrière. 3, et maintenant on va faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et le 3 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire les 2 fois restantes pour notre 5e rang. Donc là, on va continuer à prendre uniquement le brin arrière de nos mailles. Et on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. Et le 4 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 2 fois restantes et je vous reprends après. Pour notre 6e rang, donc on va continuer dans en prenant uniquement notre brin arrière. D'ailleurs, pour tout le reste des rangs, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. Et le 5 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter au total 3 fois sur notre rang. Donc je vous laisse également terminer le rang et je vous reprends après. Pour notre 7e rang, on continue en prenant uniquement le brin arrière. Et cette fois, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suivi d'une augmentation, soit 2 brides dans la même maille, une première bride, la deuxième bride dans la même maille, et le 6 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 8e rang, on va continuer nos augmentations. Donc cette fois, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Suivi d'une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. Et là, c'est pareil, le 7 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 9e rang, donc on continue à prendre uniquement le brin arrière de nos mailles. Et on va venir faire 8 brides, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8, suivi d'une augmentation, soit deux brides dans la même maille, et on va le répéter au total 3 fois sur notre rang. Pour notre 10e rang, on continue à prendre uniquement le brin arrière de nos mailles et on va venir faire 9 brides, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e, 9, suivi d'une augmentation, soit 2 brides dans la même maille. Et le 9 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 11e rang, on va continuer dans le brin arrière de nos mailles. Et cette fois, on va venir faire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, suivi d'une augmentation, soit deux brides dans la même maille, et on va continuer à le faire 3 fois sur notre rang. Pour notre 12e rang, on continue en prenant uniquement le brin arrière, et cette fois, on va faire 11 brides, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qu'on va suivre d'une augmentation, soit deux brides dans la même maille, et bien évidemment, on va continuer à le faire 3 fois sur notre rang. Pour notre 13e rang, et bien on continue, on prend uniquement le brin arrière de nos mailles, et cette fois, on va faire 12 brides, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, suivi d'une augmentation, soit deux brides dans la même maille, et on va le répéter au total 3 fois sur notre rang. Pour notre 14e rang, on va continuer à prendre uniquement le brin arrière de nos mailles. Et cette fois, on va faire 13 brides, donc 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Suivi de deux brides dans la même maille, une augmentation, et le 13 brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 3 fois. Je vous laisse faire le reste du rang. Pour notre 15e rang, on va continuer à prendre uniquement le brin arrière de nos mailles. Et cette fois, on va venir faire 14 brides. Donc j'en suis hop, à la troisième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, suivi de deux brides dans la même maille, une augmentation, et on va continuer à le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 16e rang, on continue en prenant uniquement le brin arrière, et cette fois on va venir faire 15 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, suivi de deux brides dans la même maille, une augmentation. Et on va continuer à le répéter 3 fois sur notre rang. Donc à la fin de mon rang, je vais couper mon fil. Et là, je vais venir faire une maille en l'air, je tire. Donc on a fait un espèce de petit col. Donc maintenant, on va venir se placer en haut du sapin. Alors, je vais prendre un fil. Et là, je vais venir me placer dans une maille. Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà fait deux. Et je vais vous montrer le troisième, qui est exactement la même chose. Donc, je vais venir incorporer mon fil et faire une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire quatre mailles serrées. Une, je passe à côté. Deux. Je passe à côté, je fais la troisième. Et je passe à côté, je fais la quatrième. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On va venir retourner notre travail. Et là, dans ma toute première maille, je vais faire un jeté. Et je vais aller dans la deuxième et je vais faire ma maille serrée. Maintenant, je passe dans la suivante, je fais un jeté et je passe à côté et je fais ma maille serrée. Là, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Dans ma première maille, je fais un jeté et dans la deuxième, je fais ma maille serrée.
Là, je vais faire une petite maille en l'air et je vais tirer mon fil. Donc pour l'instant, ça va nous donner ça, vous voyez, j'en ai fait 3, donc il y en a 3 à faire sur chaque ligne. Tout notre sapin va fonctionner par 3. Maintenant, on va faire le deuxième rang au-dessus tout de suite. Donc maintenant, je vais prendre un nouveau fil. Je vais venir me placer bien tout en bas ici. Vous voyez, ici on a fait nos 4 mailles serrées. Je vais me mettre en dessous. C'est la maille avant de notre rang précédent, celle-ci. Donc là, je vais faire une maille en l'air et puis je vais prendre mon petit fil pour pouvoir le coincer. Et là, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air. Je vais passer dans la maille d'à côté et je vais faire la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air. Là, on arrive à notre pointe. Donc ici, je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire une demi-bride. Alors là, je vais couper le petit fil ici, hop. Et là, maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais aller dans ma première maille et je vais faire une maille coulée. Et maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, je suis toujours dans ma pointe ici. Je fais une demi-bride et une maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air, je passe à côté et je fais une maille serrée, une maille en l'air et je passe à côté et je fais une maille serrée. Maintenant, on va venir se placer à nouveau tout en bas. Bon, si vous voulez, vous pouvez vous placer là. Hop, on va venir faire une maille coulée. Là, je vais faire une petite maille en l'air et maintenant on refait exactement la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air. Je passe à côté, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Et dans ma pointe, je vais faire une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans ma première maille en l'air, je fais une maille coulée. Et maintenant, on fait notre chemin en sens inverse. Une demi-bride. On retourne au même endroit, on fait une maille serrée. Donc vous voyez, en même temps, je coince mon petit fil en dessous. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je vais dans la maille à côté et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je passe dans la maille d'à côté. Je fais une maille serrée. Et maintenant, on va repiquer en dessous et on fait une maille coulée. Donc on va faire exactement la même chose pour notre dernière branche. Donc je vous laisse faire pareil et vous pouvez terminer avec votre maille coulée. Donc pour votre maille coulée, venez la faire ici dans votre maille en l'air. Voilà, ensuite vous faites une maille en l'air. Vous pouvez tirer votre fil. Pour l'étage d'en dessous, je vais vous montrer dès le premier, parce que là vous piquez n'importe où, c'est pareil. Par contre, pour notre deuxième étage, donc vous voyez ici, il y a le centre où il n'y a rien. Et je vais venir me placer ici. Donc je suis à la deuxième maille. Là, c'est ma fin de rang, ici.
Donc je vais incorporer un fil, je fais une maille en l'air et là on va venir faire 5 mailles serrées. Donc, une, je passe à côté, je fais la deuxième. Je passe à côté, 3, je passe à côté, la quatrième, et je passe à côté, je fais la cinquième. Je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Dans ma toute première maille, je fais un jeté, je passe à côté, je fais ma maille serrée. Dans la suivante, je fais une maille serrée et là, je fais un jeté, je passe à côté et je fais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeté. On passe à côté et on fait notre maille serrée. Et là, ici, on va tout simplement faire une sorte de maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je pique dans ma maille coulée. Ici, je fais un jeté. Je passe à côté et je fais ma maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air et je coupe. Donc maintenant, on va faire comme notre rang précédent. On va venir incorporer un nouveau fil. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Et je passe dans ma première maille, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je passe à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Je passe à côté, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Et maintenant, on va passer dans notre pointe. Donc, on va faire une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air, on retourne dans la première et on fait une maille coulée. Alors là, vous voyez, je vais essayer de pas repiquer au même endroit. Hop, je repique dans ma pointe, mais je pique à côté. Je refais une demi-bride, une maille serrée. Donc là, je vais commencer à couper mes fils. Et maintenant, on va faire une maille en l'air. On passe à côté. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. On passe à côté. Et on fait une maille serrée. Et une maille en l'air. On passe à côté. Et on fait une maille serrée. Là, je vais venir piquer tout en bas et je fais une maille coulée, je refais une maille en l'air et on recommence. Donc on fait exactement la même chose que sur notre première branche, mais on le fait de la même manière que sur notre premier rang. Donc je vous laisse terminer ce deuxième rang et je vous reprends après. Donc maintenant on va faire le rang d'en dessous. Donc c'est pareil, on va se baser, vous voyez, à notre intersection ici là. Et je vais compter 1, 2 et 3.
Je vais incorporer mon fil, je fais une maille en l'air et maintenant on va faire 6 mailles serrées. 1, je passe à côté, je fais la deuxième, je passe à côté, je fais la troisième, encore à côté la quatrième, à côté la cinquième et la sixième maille serrée. Maintenant je fais une maille en l'air, je retourne mon travail, je fais un jeté, une maille serrée. À côté, je vais faire deux mailles serrées. Une, deux. Et maintenant, je vais faire un jeté. Je passe à côté et je fais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Dans ma première maille, je fais un jeté. Dans ma deuxième, je fais une maille serrée. Je passe à côté, je fais un jeté. Et dans la dernière maille, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Je fais un jeté. Je passe à côté. Je fais une maille serrée. Et là, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil, le mien est déjà coupé, et je tire. Donc là, on va raccourcir un petit peu notre fil, et on va couper celui-ci tout de suite. Bien évidemment, ça, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire les 2 fois restantes, et je vous reprends pour la suite. Donc maintenant on va venir faire notre contour, donc je pique tout en bas, j'incorpore mon fil, je fais une maille en l'air, là j'ai mon petit fil derrière, hein, et on va commencer. Une maille serrée, une maille en l'air, je passe à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air, je passe à côté, je fais une maille serrée, une maille en l'air, et là on arrive dans notre pointe et on fait une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans notre première maille, on vient faire une maille coulée et maintenant on fait notre chemin en sens inverse. Donc on fait une demi-bride, 1 maille serrée. Alors, si vous piquez pas tout à fait au même endroit, c'est pas très grave, hein. Maintenant on fait une maille en l'air, on passe à côté, on fait une maille serrée, 1 maille en l'air, on passe à côté et on fait une maille serrée, 1 maille en l'air, on passe à côté et on fait 1 maille serrée. Maintenant, on va aller piquer dans notre maille à côté et on va venir faire 1 maille collée. Donc là, je vais vous laisser faire le tour et vous terminez de la même façon que le rang précédent. Maintenant, on va passer à notre rang du dessous. Donc, on voit ici, on a notre descente. On va dire c'est à peu près celle-là. Et on va compter 1, 2, 3. On se place dans la troisième. Et là, on va venir incorporer notre fil.
On fait une maille en l'air. Et maintenant, on va faire 7 mailles serrées. 1. Je passe à côté. 2. À côté. 3. 4. 5. 6. Et 7. Maintenant, on fait une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans notre première maille, on fait un jeté. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, je vais faire dans ma suivante un jeté et on atterrit dans notre dernière maille. Et cette fois, on fait une maille serrée. Je fais une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans notre toute première maille, on fait un jeté. Dans la maille d'à côté, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et maintenant, on fait un jeté. Et dans la maille d'à côté, on fait une maille serrée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Là, on va faire un jeté. À côté, on fait une maille serrée. Et là, on fait comme on a fait pour notre pétale, on va dire impair, on fait une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je retourne mon travail et là je fais un jeté et une maille serrée. Maintenant je fais une maille en l'air et je tire mon fil. Donc on va faire la même chose 3 fois sur notre rang. Donc on commence toujours avec une base de 7 mailles serrées. Je vous laisse faire le tour et je vous reprends après. Donc maintenant on va faire notre contour. Donc on va se placer tout en bas. Et on va venir incorporer notre fil. Hop, donc là mon petit fil je le remonte. Et maintenant, on va faire dans notre première maille, une maille serrée, une maille en l'air. Je passe dans la maille d'à côté. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je passe dans la maille d'à côté. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Et là, on arrive dans notre point. Et là, on va faire une maille serrée. Une demi-bride, deux mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on va faire une maille coulée. Et maintenant, on repasse en demi-bride. On fait une demi-bride. Une maille serrée et maintenant on fait une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On va aller piquer en bas de celle-ci et on va continuer à faire notre tour de la même manière. Quand vous avez terminé, eh bien on va passer à notre rang du dessous. Donc on va chercher notre milieu. 1, 2, 3 et là je vais me placer
dans la troisième. Je vais venir faire une maille en l'air et maintenant on va faire 8 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Maintenant, on fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Dans notre première maille, on fait un jeté. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées. Une, deux, je vais couper ce fil-là. Trois, quatre. Il nous reste 2 mailles. Dans la première, je fais un jeté. Et dans la deuxième, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air. Dans notre première maille, on fait un jeté. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées. Une, deux. Je fais un jeté. À côté, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans la première maille, je fais un jeté. Ensuite, je fais une maille serrée. Et maintenant, je fais un jeté. Et dans la prochaine, je fais une maille serrée. Là, je fais une maille en l'air. On retourne notre travail. On fait un jeté. Et dans la deuxième, on fait notre maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on vient couper. Hop! Notre fil. Et on tire. Donc, bien évidemment, on va le faire 3 fois au total sur notre rang. Donc, pour notre contour, on va venir incorporer notre fil. On fait une maille en l'air. Et maintenant, hop, on va commencer. Une maille serrée, une maille en l'air, une première fois. Une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième fois, une maille serrée, une maille en l'air, une troisième fois, et une maille serrée, une maille en l'air, une quatrième fois. Là, on arrive à notre pointe, donc on va venir faire une maille serrée. Une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille coulée. Donc maintenant, on va faire une demi-bride, une maille serrée. Et maintenant, on redescend. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, on passe à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on passe à côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et maintenant, on va faire notre maille coulée à côté.
et on recommence. Donc je vous laisse continuer votre tour également. On continue à descendre. Donc ici, on va chercher notre milieu et on va compter 1, 2, 3, 4. Et là, on va se mettre dans la quatrième. Vous voyez, c'est un peu du au pif que je commence. Hein. Donc, si vous faites pareil, à ce niveau-là, c'est pas très grave. De toute façon, au résultat, une fois qu'il est renversé, ça se voit pas trop. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Et maintenant, on va venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. On fait une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans la première, on fait un jeté. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Donc maintenant, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Je fais un jeté, je passe à côté, je fais ma maille serrée, une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans notre toute première, on fait un jeté. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On fait un jeté et on va dans celle d'à côté. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans la première, on fait un jeté. Dans la seconde, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille serrée toute seule. Et maintenant, on fait un jeté. Et dans celle d'à côté, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Là, on va faire... Hop. Dans la première, un jeté. Dans la deuxième, une maille serrée. Et je passe à côté, je vais faire une maille coulée que je ne serre pas beaucoup. Hein. Donc maintenant, on va faire, hop, une maille en l'air. Dans notre première, on va faire un jeté. Et dans la deuxième, on fait une maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Donc, on va continuer à le faire 3 fois sur notre rang. Je vous laisse. Pour le contour, on va venir insérer notre fil comme les rangs précédents. Et là, on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air qu'on va répéter 5 fois. Une maille serrée, une maille en l'air 2 fois. Une maille serrée, une maille en l'air 3 fois. Une maille serrée, une maille en l'air 4 fois. Et une maille serrée, une maille en l'air 5 fois. Notre pointe, elle ne change pas. Elle fait toujours une maille serrée. Une demi-bride, 2 mailles en l'air. Maintenant, on fait
une maille coulée et on fait demi-tour en faisant une demi-bride, une maille serrée et maintenant on va faire une maille en l'air, une maille serrée, on va attraper le fil 5 fois. Une maille en l'air, une maille serrée, 2 fois, une maille en l'air, une maille serrée, 3 fois, une maille en l'air, une maille serrée, 4 fois, et une maille en l'air, une maille serrée, 5 fois. Donc là, on va faire comme nos rangs précédents, on va faire notre maille coulée. Et on recommence. Je vous laisse faire le tour et je vous reprends après. On passe en dessous, donc on recherche notre milieu. 1, 2, 3. Et on va aller dans la quatrième. On va incorporer notre fil. Et maintenant, on va faire 10 mailles serrées. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans notre première maille, on fait un jeté. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans notre première maille, on fait un jeté et dans la deuxième, on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail, dans la première on fait un jeté, dans la deuxième on fait une maille serrée, maintenant on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on fait un jeté et dans la suivante, on fait notre maille serrée. On fait une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans la première, on fait un jeté. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et là, on fait un jeté et dans la suivante, on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Là, je fais un jeté, ensuite je fais une maille serrée, un jeté, à côté je fais une maille serrée, et là je fais une maille en l'air. Dans la première, un jeté, et dans la deuxième, une maille serrée. Une maille en l'air. On coupe notre fil. Bien évidemment, on continue à faire 3 fois la même chose sur notre rang. Pour notre contour, eh bien, on va venir incorporer notre fil. Et maintenant, on va faire une maille serrée.
une maille en l'air qu'on va répéter 5 fois jusqu'à notre pointe. Une maille serrée, une maille en l'air 2 fois, une maille serrée, une maille en l'air 3 fois, une maille serrée, une maille en l'air 4 fois, une maille serrée, une maille en l'air 5 fois. Pour notre pointe, eh bien, on ne va pas changer. On va faire une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on va venir faire une maille coulée. Et maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Une demi-bride, une maille serrée. Et maintenant, on va faire une maille en l'air, une maille serrée, qu'on va répéter 5 fois. Donc là, je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends pour le prochain. On descend d'un rang. Donc là, on va venir chercher le milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais aller me placer dans la septième. On va venir incorporer notre fil. Et cette fois, on va venir faire 11 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire les 11 mailles serrées dans l'avant de vos mailles du rang précédent et je vous reprends après. Arrivé à votre 11e maille, on va faire une maille en l'air et on va venir retourner notre travail. Dans notre première maille, on fait un jeté. Dans la deuxième, on fait notre maille serrée. Maintenant, on va venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la première, je fais un jeté et dans la deuxième, je fais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Dans la première, je fais un jeté. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Maintenant, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première, je fais un jeté. Dans la dernière, je fais ma maille serrée. On fait une maille en l'air. On retourne notre travail. Dans la première, je fais un jeté. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Maintenant, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la première, je fais un jeté et dans ma dernière, je fais ma maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Je fais un jeté et dans la deuxième, je fais une maille serrée. Maintenant, je vais faire une maille serrée toute seule. Et là, je fais un jeté, une maille serrée. Je fais une maille en l'air. On retourne son travail.
Dans la première, je fais un jeté. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Là, je vais faire une maille coulée que je ne vais pas trop serrer. Je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Et maintenant, je fais un jeté, une maille serrée. Je vais faire une maille en l'air et on coupe notre fil. Donc là, on va également le faire trois fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire la même chose pour le contour. Eh bien, on va venir incorporer notre fil. Alors je vais vous montrer juste le premier côté, parce que je pense que maintenant vous avez compris le principe, hein. On va commencer, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, et on va le répéter 6 fois sur notre longueur. Une maille serrée, une maille en l'air 2 fois, une maille serrée, une maille en l'air 3 fois, une maille serrée, une maille en l'air 4 fois, une maille serrée, une maille en l'air 5 fois, et là, la sixième est ici. Voilà. Et maintenant, on va faire notre pointe comme on fait sur nos contours depuis le début. Une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air. Et dans notre première maille en l'air, on vient faire une maille coulée. Donc, je vous laisse faire la descente à l'inverse. N'oubliez pas, ce sera une maille en l'air, une maille serrée. Et je vous reprends pour le rang d'en dessous. On descend d'un rang, donc on cherche le milieu, à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ben, je vais aller dans ma septième. Et maintenant, on va venir faire 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends après. À la fin de votre rang, vous faites une maille en l'air, vous retournez votre travail. Maintenant, eh bien, on va faire un jeté et dans la deuxième, je fais une maille serrée. Maintenant, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, dans la première, je fais un jeté et dans ma dernière, je fais une maille serrée, une maille en l'air. On retourne le travail. On fait un jeté, une maille serrée. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on fait un jeté et dans la suivante, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on retourne le travail, on fait un jeté, une maille serrée. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille serrée, une maille en l'air, on retourne le travail, un jeté, une maille serrée, maintenant on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, un jeté, une maille serrée, une maille en l'air.
On retourne son travail, injecter une maille serrée, injecter une maille serrée. On retourne notre travail. Et maintenant, on va faire un jeté et une maille serrée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc, eh bien, on va continuer à faire notre petite branche trois fois sur notre rang et je vous reprends pour le contour. Pour notre contour, on va incorporer notre fil et on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air, qu'on va répéter 6 fois. Une maille serrée, une maille en l'air, 2. Une maille serrée, une maille en l'air, 3. Une maille serrée, une maille en l'air, 4. Une maille serrée, une maille en l'air, 5. Une maille serrée, une maille en l'air, 6. Pour le reste, je vous laisse continuer le contour, ça ne change pas. On continue à descendre, donc on se met à peu près au milieu. Donc moi ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La huitième est déjà prise, donc dans ma septième. Et cette fois, on va venir faire 13 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 13 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Quand c'est fait, on vient faire une maille en l'air, on retourne notre travail. Dans notre première maille, on fait un jeté. Dans la suivante, on fait notre maille serrée. Maintenant, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Dans la prochaine, on fait un jeté et dans la dernière, on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air. On retourne notre travail. On fait un jeté, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté dans la maille d'à côté, une maille serrée, une maille en l'air. On retourne, on fait un jeté, une maille serrée, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, on passe à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on retourne notre travail, un jeté, à côté une maille serrée, maintenant on fait 3 mailles serrées, 1, 2, un jeté à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on retourne, on fait hop, un jeté, une maille serrée toute seule, et un jeté, et à côté, on fait notre maille serrée, une maille en l'air. Un jeté à côté, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire notre maille coulée qu'on va vraiment pas serrer. Une maille en l'air.
on retourne notre travail et là on fait un jeté et une maille serrée. Maintenant on fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Donc on continue à faire trois fois la même chose sur notre rang. Je vous laisse faire pareil. Donc cette fois pour notre contour, eh bien on va faire une maille serrée suivie d'une maille en l'air qu'on va répéter cette fois. Donc une maille serrée, une maille en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, et là on n'oublie pas notre septième. Et pour le reste, je vous laisse faire la même pointe que pour tous nos contours. Et n'oubliez pas, de ce côté-là, c'est une maille en l'air, une maille serrée, qu'on répète cette fois. Je vous laisse faire et je vous reprends pour le rang du dessous. On descend d'un rang, donc on cherche toujours à peu près le milieu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que vous voyez, ma huitième est déjà prise. Donc là, dans la septième, je viens incorporer mon fil et cette fois, on va venir faire 14 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 14 mailles serrées en prenant le brin avant de votre rang précédent. Du moins, quand je dis de notre rang précédent, c'est bien évidemment hein, de notre dessous. Quand c'est fait, on va venir faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Maintenant, on va faire un jeté, on passe à côté, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. On fait un jeté et dans la maille d'à côté, on fait notre maille serrée. Une maille en l'air. On retourne notre travail. Cette fois, on fait un jeté, une maille serrée. Maintenant, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté, une maille serrée, une maille en l'air, on retourne. Un jeté, une maille serrée, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, une maille serrée, une maille en l'air, un jeté, une maille serrée, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille serrée, une maille en l'air, un jeté, une maille serrée, 2 mailles serrées, 1, 2,
Et maintenant, fais un jeté, une maille serrée. Une maille en l'air, on retourne, on fait un jeté, une maille serrée, qu'on répète une seconde fois. Une maille en l'air, et cette fois, on fait un jeté, une maille serrée, hop, une maille en l'air, et on coupe notre fil. On continue à faire la même chose trois fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les deux fois restantes et je vous reprends pour le côté. Donc là, on a incorporé notre fil et on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air, qu'on va répéter sept fois. Une maille serrée, une maille en l'air, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien évidemment, pour le contour, si vous en faites 8 ou si vous en faites 5, c'est pas très grave, hein, ça vous changera pas grand chose. Donc je tenais à vous préciser quand même, hein, ne vous en faites pas, c'est juste pour faire une petite pour enjoliver notre bordure. Après que vous fassiez une maille de moins ou une maille de plus, ça va pas changer le contour. Donc et bien là, je vais vous laisser faire le reste du contour. J'ai mon fil qui a eu un petit souci et je vous reprends pour le rang du dessous. On continue à descendre. Donc là, on cherche toujours le centre à peu près, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez là, j'ai pris celle-là à côté. Hop, là, on va voir si celle-là, eh bien, elle est déjà prise. On va incorporer notre fil. Et cette fois, on va venir faire 15 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 15 mailles serrées et je vous reprends au bout. Une fois qu'on a fait notre maille en l'air et qu'on a retourné notre travail, on fait un jeté et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On fait un jeté et on pique dans la prochaine, on fait notre maille serrée, une maille en l'air. On retourne notre travail, un jeté, une maille serrée. Maintenant, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un jeté, on passe à côté, hop, on fait notre maille serrée, une maille en l'air, on retourne notre travail, on fait un jeté, une maille serrée, maintenant on fait 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, on passe à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air,
on retourne notre travail, un jeté, une maille serrée. Maintenant, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille serrée, on fait une maille en l'air, on retourne notre travail, un jeté, une maille serrée, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, un jeté, hop, on passe à côté, on fait notre maille serrée, une maille en l'air, on retourne notre travail, un jeté, une maille serrée, une maille serrée, un jeté, une maille serrée, une maille en l'air, un jeté, une maille serrée. Là, on va faire une maille coulée qu'on ne serre pas. On fait une maille en l'air. Et maintenant, on termine avec un jeté, une maille serrée, une maille en l'air et on coupe notre fil. Donc on va le faire 3 fois également sur le rang. Donc je vous laisse faire vos 2 fois restants. Une fois qu'on a incorporé notre fil, on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air. Et cette fois, on va le faire 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on n'oublie pas la dernière fois. Et après, bien évidemment, on va faire notre pointe comme tous nos contours et on fera notre descente en inversant et en faisant une maille en l'air, une maille serrée, 8 fois. Donc je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends pour la suite. Voilà, j'ai replacé mon sapin tout à l'endroit. Pour l'instant, vous voyez en haut, ça nous donne, là c'est vide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir ce petit passage. Donc là, on n'avait pas fait dans le brin arrière, on avait fait dans les deux brins. Alors pour ça, je vais venir piquer ici, vous voyez. Et puis on va faire la même méthode qu'on a fait sur nos rangs d'avant. On va incorporer notre fil. Ici, je vais faire une maille serrée. Je vais venir passer à côté. Je vais faire une deuxième maille serrée. Et bien sûr, je passe encore à côté. Et je fais une troisième maille serrée. Là, je fais une maille en l'air. On retourne notre travail, on fait un jeté, une maille serrée. Là, dans notre dernière, on va faire une maille coulée qu'on ne va pas serrer. On refait une maille en l'air. Et pour finir, on va faire un jeté, une maille serrée. Et là, on fait une maille en l'air. Donc, on va le faire également 3 fois sur notre rang. Bien évidemment, on se place toujours au milieu des deux autres. Hein. Pour notre contour, eh bien, on va venir hop, incorporer notre fil en dessous.
Voilà, on fait une maille en l'air. Et là, on va faire une maille serrée, une maille en l'air deux fois. Et bien sûr, pour le reste, eh bien, on ne va pas changer. Hein, on fait une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air. On retourne dans notre première et on fait une maille coulée. On reste dans la même maille, on fait toujours une demi-bride, une maille serrée. J'essaie de coincer mon fil en même temps et cette fois on fait une maille en l'air, une maille serrée qu'on va répéter deux fois et on va faire une maille coulée. Donc là maintenant je vais vous laisser faire le reste du rang et je vous reprends pour la suite. Donc du coup, eh bien il nous reste notre premier rang. Donc on va venir pareil incorporer hop notre fil. Et là on va faire une maille, une première maille serrée. Et on passe à côté. Vous voyez, je pince un peu et je fais ma deuxième maille serrée. Je fais une maille en l'air et cette fois on fait un jeté, une maille serrée. Et là on fait une maille en l'air, on coupe notre fil. Pour notre contour, et bien évidemment, on va continuer de la même manière qu'on a fait tous nos contours. Une maille serrée, une maille en l'air. Et pour notre pointe, on fait une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air. Et dans notre première maille en l'air, on fait une maille coulée. Et maintenant, on fait notre chemin en sens inverse. Donc, une demi-bride. Une maille serrée. Et on fait une maille en l'air, une maille serrée. Et on va venir, hop, en bas, faire notre maille coulée. Donc je vous laisse faire le reste du tour. Pour notre pointe, on va essayer de faire un peu plus pointe. Donc je vais venir passer mon fil, vous voyez, j'ai attrapé juste mon nœud magique ici. Donc là, je vais faire une petite maille en l'air. Je tire sur mon fil. Et là, je vais venir faire des jetés. Donc, je vais venir en faire 6. 1. Je passe à côté de mon autre maille. 2. Je repique par l'intérieur, je ressors. Ça fait 3. Je repique par l'intérieur, je ressors à l'extérieur. Je refais, je le ressors et je fais un jeté. Voilà, je tire un peu. Et là, il va m'en rester une. Hop, bon, faut forcer un petit peu. Et là, c'est pareil, je refais pareil.
Je vais tirer vers le haut. Et puis bah, maintenant, on va passer à travers toutes nos boucles. Il m'en manque une. Voilà. Et quand c'est fait, on va faire une maille en l'air. Et on va tirer sur notre fil. Voilà, donc vous voyez, ça va nous faire une petite pointe. Là, et ben, ce fil-là, on va venir le camoufler. Alors, passez-le dans une aiguille. Je vais faire la même chose. Voilà, je l'ai passé dans une aiguille. Et puis, ben, maintenant, je vais glisser à l'intérieur. Alors là, vous voyez, je ne vais pas descendre jusqu'en bas parce que vous risquerez de le perdre. Voilà. Une fois que vous l'avez camouflé, vous tirez bien dessus. Un premier coup et après, vous retirez vers le haut. Et vous pouvez le couper. Donc, ben, bien maintenant, on va lui faire un petit socle. Donc, pour ça, on va commencer par un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud magique et on termine avec notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 12 mailles serrées à la fin. Donc là, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Pour le troisième rang, on va venir faire une maille serrée suivie de 2 mailles serrées dans la même maille, une augmentation que l'on va répéter 6 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire la même chose et je vous reprends après. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire pareil. Et je vous reprends après. Pour notre cinquième rang, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Et c'est pareil, on va le faire 6 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire le reste du rang. Pour notre sixième rang, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et on va le répéter 6 fois sur le rang. Donc je vous laisse faire pareil et je vous reprends après. Pour notre cinquième rang, eh bien on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation qu'on va également répéter 6 fois sur notre rang. Je vous laisse faire la même chose. Pour notre huitième rang, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et on va le répéter 6 fois. Donc je vous laisse faire la même chose et je vous reprends pour le 9e rang. Pour notre 9e rang, on va venir faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, une augmentation, deux mailles serrées dans la même maille, et on va le répéter trois fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire le rang et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, et ben vous pouvez prévoir un petit fil déjà avant de couper, comme ceci, et maintenant on tire. Et voilà, on a notre socle. Donc maintenant on va rembourrer notre sapin. Alors vous voyez, je l'ai rembourré, j'ai laissé quand même un peu de place ici. Et on va passer notre fil tout simplement dans une aiguille. Alors là ici, ce que je vais faire, vous voyez, hop, on va faire comme ça. Et là, je vais venir faire un petit nœud, comme ça, un petit nœud coulant. Voilà. Comme ça, on va coincer nos deux fils. Et on va tout simplement, eh bien, coudre maille par maille. Là, sur votre contour de sapin, vous devriez avoir 51 mailles. Et sur votre contour de socle, c'est pareil. Donc, je vous laisse coudre maille par maille la base de votre sapin et je vous reprends après. Alors avant de fermer totalement, on va venir glisser un petit socle à l'intérieur et bien sûr on finit de rembourrer aussi. Voilà, comme ça et bien il sera bien droit. Donc le socle sur 51 mailles, moi ça mesure 8 cm et demi environ, hein. Et après à la fin on continue de coudre maille par maille. Donc là je vous reprends à la fin du tour. Donc à la fin on va venir, hop, passer notre fil et là je vais venir faire un petit nœud coulant. Maintenant je repique à l'intérieur, je vais essayer de ressortir sans perdre mon aiguille. Voilà, et voilà, donc je vais remonter un peu la caméra. Voilà, donc on va replacer maintenant eh bien notre sapin, hein, parce que le pauvre, on l'aura bougé dans tous les sens. On va tirer sur tous nos côtés. Une fois que vous aurez bien rembourré, appuyez, hein, comme ceci. On a toujours sa petite pointe. Donc j'ai encore des petits fils, hop, qui traînent. Bien sûr, n'oubliez pas de retirer vos fils. Donc je vous le montre de côté. En dessous on a mis un petit carton, comme ça il va pas bouger. Vous avez vos petites pointes qui traînent un petit peu et bien sur la table. Tirez, hein, sur vos petites branches, tirez dessus vers le bas pour bien toutes les replacer. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, bon, des fois on a des petits décalages ici, mais c'est pas très grave, au contraire, ça fait un peu plus réaliste. Il me semble pas que les branches sur un arbre soient complètement bien alignées, même sur un sapin. Donc si vous voulez le décorer, eh ben je vous laisse le faire. Moi je vous ai fait la base. Vous pouvez lui mettre une petite étoile si vous voulez en haut. Donc, je vous le remonte de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne
Pour ne pas louper mes prochains tutos, je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.